Ben bonjour à tous, content de retrouver l'équipe de Côté Pêche. On s'était déjà vu dans différents reportages. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon nouveau bateau, le Targa 27.1, version pêche pour faire mes guidages dans l'archipel de Bréhat-Paimpol et la côte de Granit Rose. On est au port de Tréguier, ici ce matin. On va faire une belle journée, apparemment la météo est bonne. Et nous allons rechercher un poisson mythique de la Manche, qui est le bar. Donc dans différents spots, vous verrez, de 0 à 20 mètres à peu près. Et on va retrouver mon ami Calou qui nous accompagne aujourd'hui pour cette, j'espère, cette belle journée bar. Ben nous voilà sur la zone de pêche, sur des hauts fonds. Donc ça monte à peu près, il y a une tête de roche juste là. On voit l'huile sur le haut de l'eau. Et après ça descend sur 20 mètres. Les poissons sont juste calés dans le courant derrière. Alors c'est très technique aujourd'hui parce qu'on est sur 103 de coef. Donc des courants très violents, on va dire. Alors on a plusieurs possibilités, c'est soit de pêcher assez lourd, 40-50 grammes avec un leurre pour essayer d'atteindre le fond. Mais je pense qu'on va prendre la technique avec le crésil, avec une jiguette en 20-25 grammes pour pouvoir bien présenter le leurre qui nage bien, qui se présente bien devant le poisson. Donc on prend cette option-là et on essaye de toucher des poissons juste derrière la tête de roche. Donc le but c'est de faire nager son leurre et le faire revenir vers nous. Il y a actuellement 16 mètres. Là, on voit que les échos arrivent. Calou, attention. Donc là, j'essaye de prendre au moins une fois le fond parce qu'on voit que les détections sont plutôt entre 12 et 16. Donc, on contrôle bien la descente. On reste en contact. Et contrôler, ça veut dire rester en contact avec son leurre. Donc, très tendu. Ça y est, bien joué, Calou. Bon, ça a l'air joli, Calou. Je vais prendre l'épuisette. Donc c'est bar déjà. Ouais. C'est sûr. Ah, tu reconnais les coups de tête ouais. Du bar Je pense que c'est pas un gros poisson, mais c'est poisson. Voilà. Yes. Bien joué, Calou. Bien joué, bien joué. Merci, Chris. Voilà, donc ça, c'est un bar. Qui fait, je dirais, 45 à peu près. 40, 45. Ouais, 45. Donc ça, c'est un bar qui a 3 ans, qui revient de frais. Donc on voit qu'ils sont pas encore très gros. Là, il y a une très belle couleur, la fameuse dorsale qui pique bien. Bar commun. Donc on va le remettre à l'eau. Baby bar. Alors, le bateau dérive vers là. Donc, lorsque je pêche en light, comme ça, à la volée, donc je vais lancer vers où je dérive. Le temps que le bateau arrive sur mon leurre, comme ça, le leurre a le temps de descendre. Là, je vais être plutôt en esprit traction, c'est-à-dire que je vais faire nager mon leurre et le faire venir vers moi, et il va faire un arc de cercle. Et la pêche à la grattée, donc derrière, où là, je passe d'abord avec le bateau. Comme on a des détections qui sont plutôt sur le fond, donc je sais que mon leurre va passer 3-4 secondes après le bateau sur les poissons. Donc là, j'essaye de faire une animation minimaliste pour que mon leurre reste sur le fond et sautille très légèrement. Donc les 3 angles, voler vers où on dérive, gratter où le bateau dérive et on reste derrière, et de côté,
pour faire nager son leurre. Donc quand on débute la dérive près du caillou, on fait nager le leurre plutôt en traction, c'est-à-dire on le fait passer derrière le caillou et on le fait nager vers nous. Lorsqu'on est, comment dire, qu'on voit qu'on a passé le caillou et que les poissons sont collés sur le fond, là on serait plutôt dans une technique à gratter. Et la prochaine dérive, on va tenter à la voler, c'est-à-dire lancer le leurre pour qu'il passe derrière le caillou et qu'il tombe juste derrière le caillou. Tout ça parce que on veut pêcher léger. Et je pense que c'est les techniques. Là, on avait une possibilité de faire une pêche à la gratter. On voit qu'ils sont collés sur le fond, donc là, logiquement, il faut que le leurre, il tressaute juste, qu'il passe devant juste le poisson. Tiens, je vais faire un essai. On vient de passer dessus. Je vais lancer loin. Alors, j'ai lancé loin derrière, donc le bateau dérive vers là. Donc, j'aurais pu faire descendre mon leurre directement, mais comme j'ai vu qu'il y avait des poissons là, je l'ai lancé plus loin pour essayer de prendre le fond là-bas. Donc, je ferme pas mon moulinet. Je vais essayer de pas m'accrocher. Donc là, je reprends contact avec le leurre qui descend. Je l'active très légèrement pour qu'il tressaute, comme ça il. Donc là, aujourd'hui, ça va être très technique pour atteindre le fond avec 20-25 grammes avec ce gros courant et ce gros coef. Donc on a des cannes qui font 5-25, qui sont très tactiles, où on ressent la moindre chose. Et c'est important de pêcher aussi avec des tresses fines. Pour que ça descende et que le courant ne puisse pas embarquer le leurre. Donc on est sur des techniques light, comme on dit, et ça nécessite de bien rester en contact avec son leurre pour bien sentir la touche. Donc vous voyez, j'active un peu le leurre, je relâche tout doucement en restant en contact, que c'est souvent à la descente que prennent les poissons. Mais on dérive très très vite là. Hein. Ouais, là vous voyez bien la veine de courant qui se forme là. Le caillou est là-bas, vous voyez, la tache d'huile. La tache d'huile est là, le caillou, et les poissons sont juste calés derrière pour manger ce qui passe avec le courant au-dessus de la roche. Donc ils se décalent, ils prennent. Et plus on s'éloigne du caillou, plus les poissons sont sur le fond, et on le voit au sondeur, où les poissons sont collés sur le fond. C'est comme une pêche au cendre, tu vois. Alors pourquoi je ne le fais pas sauter très haut comme ça? Parce que là, comme on dérive à 2 nœuds 5, le fait de faire juste une petite impulsion avec mon poignet comme ça, bah, je fais sauter le leurre quasiment de 50 cm à 1 mètre au-dessus du fond. Donc c'est pour ça que là, en faisant tout simplement minimaliste ce petit geste, là je sais que je le fais sauter de 20 à 30 cm sur le fond. Et comme les poissons sont vraiment, on le voit encore là, sont collés au fond, donc là, je viens de toucher le fond. Fichon. Et là, je me suis accroché, hélas. Ah, bravo, Calou. Parce que tu vois, moi, je me suis tanké. Peut-être un peu plus joli. Et je me suis tanké sur le fond. J'ai réussi à décrocher. Tu vois. Attends, je te prépare l'épuisette. Oui, parce que c'est quand même une canne musclée que tu as là. Ouais. Et un petit. Là, un petit bar. Il t'a pris dans le courant. Bien joué. Alors peut-être présenter ton poisson, parce que c'est le sujet, c'était ça, comment pêcher le bar. Qu'est-ce que tu as mis là? Je t'ai vu changer de leurre. J'ai mis un Nitro Slim 180. Ouais. Parce qu'on, un peu plus lourd. Un petit peu plus lourd et puis un petit peu plus long aussi. Ouais. Une plus belle bouchée, ouais. Avec un peu de vibration. Et on voit que tu déclenches plus, parce que moi tu vois, je suis avec un heel. J'ai pris beaucoup moins de tapes que toi. Donc c'est vraiment qu'ils sont sur les poissons sont en plus sur de la vibration. Et tu vas le relâcher, comme ça on le reverra l'année prochaine. Exactement. Un peu plus gros. Donc là je vais vous présenter la nouveauté pour les TZ Touch 3 avec la mise à jour V2. Donc on voit la bathymétrie personnelle que vous pouvez enregistrer dans votre TZ qui est faite avec le DFS 3D, donc avec 50 points secondes. Donc là on scanne à peu près sur 30 mètres. Intéressant, vous pouvez bien sûr supprimer les contours. Je sais qu'il y a des clients qui préfèrent de voir que les ombrages et les dégradés de couleur. Donc, et pour ceux qui préfèrent voir les isolignes,
Vous voyez les isolines réelles. Alors, c'est de la bathymétrie professionnelle, hein, monsieur Furuno. Donc, vous avez exactement la topographie du fond qui est enregistrée dans votre TZ. Autre fonction qui peut être intéressante, là, on a fait un dégradé. Et moi, je sais que, par exemple, les poissons sont entre 6 et 12 mètres. Vous pouvez, avec la colorimétrie, dire, OK, je suis OK pour 6 mètres, mais je veux uniquement les postes jusqu'à 15 mètres. Donc là, vous descendez, on va dire 15 mètres ou 16 mètres, là j'ai mis, et ben vous voyez exactement les postes similaires où vous pouvez retrouver des poissons parce que vous savez qu'ils sont entre 6 et 16 mètres. Donc avec la colorimétrie, c'est vous qui faites la coloration de vos cartes pour voir s'il y a des postes équivalents quelque part. Donc ici, je vois qu'il y en a un. Les poissons aiment bien se baser, donc je vais aller prospecter là-bas. Ça, c'est une fonction intéressante aussi. Donc ça s'appelle la colorimétrie. En mode manuel, vous l'utilisez. Autrement, si vous la remettez en automatique, lui va bien sûr recalculer tout ce poste. Donc, une fonction très intéressante et qu'on utilisait avant avec Maxi Time Zero Pro sur nos ordinateurs. Et maintenant, vous l'avez dans votre TZ Touch 3. Donc, très grosse avancée. Donc là, je reviens sur ma page d'accueil que vous avez ici en haut de l'écran. Donc, je clique dessus. Et là, vous retrouvez l'arborescence de toutes les fenêtres que vous pouvez créer avec les TZ Touch 3. Donc ici, j'ai ma page cartographie. Vous voyez, j'aime bien utiliser en pêche, quand je suis en dérive, la carte, une vue 3D de mon fond exactement, et le sondeur Sharp qui a une détection très 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 précise. Vous voyez exactement quand les clients veulent une image, je leur dis, vous voyez, on voit les détections poissons, tiens, ils sont 15 mètres sur bâbord du bateau, donc on sait que les poissons, il faudra plutôt pêcher à bâbord. On voit bien qu'ils ne sont pas sous le bateau. Donc ça vous donne tellement d'indications, la TZ Touch 3, que c'est un outil vraiment agréable pour faire de la prospection, pêcher, pour comprendre tous vos spots. C'est l'innovation dans la simplicité. Voilà. Pour que les gens puissent s'en servir simplement et que ce ne soit pas, entre guillemets, comme je dirais, un ordinateur où vous êtes forcé d'apprendre, où vous n'utilisez que 10%. La TZ, c'est comme un smartphone. Voilà. Vous la prenez en main très rapidement et vous utilisez ces fonctions très simplement. Donc, tu vois, mais je sais pas s'il n'y en a pas un deuxième qui découvre par là aussi. Alors. Je voulais passer. Oh là là, regarde-moi ça Ah sous le oui, bateau. Merde. Oh mince. Bien. Ah oui, ils sont juste derrière. Ouais. Et moi, j'ai lancé loin. Erreur. Erreur, erreur. Il y a du monde. Ouais. Alors, donc là, je vais mettre un point GPS. Hop. Pour les retrouver. Donc nouveau point, pardon, hop, nouveau point, tac, et je vais mettre pour qu'on reconnaisse aujourd'hui, tac, ici, voilà, et donc il y a zéro référence sur ma carte, donc on les retrouvera, donc on sait qu'ils sont là. Oui, fais attention parce que là on passe le caillou. Hein. Hop! Hop! Elle a pendu. Ouais, c'est barre. Il contrôlait à la descente, il est venu me prendre. C'est pas gros, hein, mais c'est poisson, ça fait plaisir. Ah bravo, joli, un doublé. Ah, j'ai vexé Calou là, de prendre le premier. Il a tout de suite dégainé. Et comme on est un peu compétiteur dans l'âme, ah, décroché. Ah bah c'est moi de. Ah bah j'allais dire, on comparait pour voir si c'est lequel Attends, est. Je reviens. Lequel était le plus gros, tu vois. Non, pour... mais il était plus beau le mien. Ah bah oui, décroché, oui. Ah bah, oui, on a vu, oui. Oui, très beau. On voit aussi qu'il y a. Je comprends pourquoi le sondeur, là, t'as vu, c'est chargé d'un coup, en gain. Regarde la mer, elle est chargée en phyto. Regarde l'eau. Elle est chargée en phytoplancton.
Donc on est passé dans une veine de phyto. C'est pour ça que le sondeur il s'est chargé en gain. Il n'y a pas que de l'oxygène. Donc intéressant pour les pêches, je pense aux pélagiques, aux thons, qui sont souvent sur les pics planctoniques où il y a le phytoplancton, la sardine et ou les anchois et après les thons. Donc c'est une information très intéressante lorsque vous faites vos plans de pêche. Les températures d'eau de surface, bien sûr, vous les avez aussi, et les thermoclines. Donc toutes ces données sont disponibles dans les TZ Touch 3 et avec les DRS NXT, c'est-à-dire les Doppler. Furuno propose maintenant le mode chasse d'oiseaux, bird mode, et lorsque vous le sélectionnez, vous allez voir les chasses d'oiseaux. Je parle de ça parce que tout à l'heure on naviguait d'un spot à l'autre, on avait à peu près une quinzaine de milles à faire, et en naviguant sur la route, d'un seul coup on a eu une alarme nous indiquant il y a une chasse d'oiseaux sur bâbord à 4000 et on est tombé sur cette chasse de footbassan avec des barres en dessous. Donc vous voyez que c'est une application pour le radar qui est d'abord pour la sécurité du bateau, pour naviguer en toute sécurité de nuit, par temps de pluie, par temps de brouillard. Vous savez tout ce qui se passe autour de votre bateau. Le radar, c'est la première des sécurités du bateau. Mais grâce à Furuno, on a des applications aussi pour la pêche. Donc c'est servez-vous-en, parce que c'est un jour vous trouverez une chasse d'oiseaux en utilisant votre radar, alors que je vois que souvent les utilisateurs ne l'utilisent pas beaucoup. Donc c'est la machine qui s'adapte à vous et non à vous de vous adapter à la machine. Joli poisson. Joli, joli poisson. Ça fait 60, 55, 60. Donc là on est sur un pareil, même chose, hein, au fond, là, où on voit la vague, là, 10 mètres et après 30 mètres. Donc les poissons sont juste en haut du cassan. Alors là on voit qu'il y a une très belle chasse de footbassan. Je pense que les barres sont en train de pousser les lançons. Ah, peut-être, regarde, on commence à prendre des techs. Oh, poisson. Ah, c'est plus la même taille, là. Yes. Attention, qu'ils ne prennent pas de tournure. Ah non, tu vois, il vient d'avaler un lançon. Bon, il y a beaucoup de courant, hein. C'est pour ça que ça... Pêche, 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 calot. Voilà. Bon, c'est plus gros, hein. On voit que c'est des poissons maintenant qui commencent à faire 2 kilos. Mais là, je pense qu'il y a des gros, hein. Donc, on voit qu'il avait faim parce qu'il a bien gobé mon leurre. Donc, bien ferré sur le haut du palais. Il risque pas de s'envoler, tu vois. Voilà. Jolie barre. Bon, on continue la pêche. Hop. T-shot. Bien joué. Ouais, bravo, Calou, parce que deux dérives, deux jolis poissons maillés. Alors, je dis deux jolis poissons, mais c'est vrai que... C'est vrai que les tailles et les poids ont diminué en manche. Oh, ah oui, oh, oui. Ah, celui-là, t'as dû au ferrage lui casser une ouïe. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de sang. Ouais. Alors ça peut arriver dans la pêche. Hein. On fait du catch and release. Mais celui-là, je crois qu'il vaut mieux qu'on le garde. Peut-être mieux qu'on le garde. Hein, oui, qu'on dîne. Parce que là, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, Calou, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la pêche et ça sera l'extension de notre soirée. On mangera un bon bar en croûte de sel ce soir. Et on a le droit, on mange à 2 barres par jour, par pêcheur. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème qu'on prélève de temps en temps, raisonnablement, bien sûr, un tout petit peu de barres. Et c'est bien de ne pas en garder. Là, il t'arrive l'accident, bon, ben, voilà, on le garde. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Bon ben bravo Calou, parce que de dérive de poisson, tu montres que t'es bon, parce que là j'en ai fait qu'un moi. Tu nous avais bien placé. Ouais, merci Calou. Bon, je replace le bateau. Donc là j'attends 30 secondes qu'on dérive, qu'on se décale de 200-300 mètres pour pas démarrer le moteur sur le poste. Parce que sinon on va ralentir l'activité, voire l'arrêter. Donc je préfère qu'on dérive un peu plus. Je mets la fonction que je vais vous expliquer, Drift Kit, là sur la TZ3 pour calculer mon point de départ de la nouvelle dérive. Et bien sûr j'évite de passer sur les poissons quand je remonte ma dérive. Donc je fais un D. Je me place sur le point de départ du drift et on reprend une nouvelle dérive pour les barres. Mais important, de lorsqu'on a bien localisé où ils sont, de ne pas redémarrer le moteur 20 ou 30 mètres ou 50 mètres ou 100 mètres à côté d'eux. Parce que sinon, à un moment, ça arrête carrément la pêche. Donc là, on voit qu'on les a trouvés à peu près là, les poissons. Donc je clique sur mon point, donc il vient s'éclairer. Et là, vous cliquez sur la fonction Drift It et lui, la TZ3 va vous calculer le point de dérive, le point de départ de dérive pour passer sur votre waypoint. Donc, c'est une nouvelle fonction qui est très intéressante pour les gens qui ont du mal à placer leur bateau pour faire leur dérive, pour passer sur des poissons ou des waypoints. Poisson. Oh oui, ah oui, c'est joli. Génial. Yes, ouais, super. Ah, bien joué Chris. Ouais, c'est cool. Bravo. Ouais. Écoute, celui-là, on va, comme il est bien pris, qu'il n'a pas trop souffert. Voilà, encore un joli bar. Je le décroche et on le met tout de suite à l'eau. Hop. Yopi. Là, je pêche en trois caravales, comme en rivière. On lance en face de soi et le leurre va nager dans le courant et va passer sur les postes. Donc, c'est faut contrôler son leurre, faut le faire nager. Parce que comme le courant est puissant, si on lance derrière, il fait du surplace, le leurre. Alors donc, on le lance en travers pour qu'il nage dans la vague. Ouais, tu vois, Calou, on en parlait, hein, je t'ai dit, mets-toi en 40 ou 45, et moi je suis resté en 20, 20. Tichonne. Tichonne, oh, ben, tu vois, c'est vraiment, le grammage, là, c'est vraiment important. Ben, t'atteins les poissons directement et hop, raté. Moi. Excuse-moi, j'allais faire un doublé, j'ai décroché. Je ramenais pour te prendre l'épisette. Non, c'est gros. Pêche, Loulou. Touche. Ouais, touche. Beaucoup. Je pense que je suis trop léger, je descends pas assez. J'ai ça sent le doublé. Ouais, ben là j'ai pris deux tapes, hein, tu vois, en ramenant mon. Et ah oui. Un beau poisson. Ouais. Ah oui. Quand il bouge la tête là, oui, c'est un peu. Attends, Calou. T'énerve pas. Ouais, la façon qu'il bouge la tête, là, c'est plus gros. Ah oui, ça fait. Bravo Calou. Oh! Ah oui, l'épisette n'est plus assez grande. Bravo Calou. Parce que là, c'est on passe à l'anker, hein. On passe à la taille au-dessus là. Ah oui, là ça oui. Fait plus de 70, ouais. Oui, très beau poisson, ouais. Calou. Ah, bravo. Super. Ouais. Yes. C'est génial. Merci mon capitaine. Ouais. Super. Bien joué. Génial. Tu vois? Beau poisson. Eh oui, t'as été chercher le gros. Super. Bravo. Piqué propre. Ouais. Super. On a toujours le sacré Ilex Nitro Slim Shad. Hein. Nitro Slim 180. Ouais. Sprat. Ouais, c'est vraiment un super leurre pour ici. Voilà. Oxygène-le, Calou. Ouais. Oxygène-le bien. Voilà, ça va. Il va reprendre. Ouais, il va reprendre tranquille. Ouais, il faut que tu vois les ouïes bouger. Ça y est, ouais, je vois sa queue qui bouge. Ça y est. C'est bon. Ah, super. Voilà. Bravo, yes. Calou. Bien joué, bien réalisé. Poisson qui est reparti. Une deuxième satisfaction encore plus de prendre un poisson et de pouvoir le remettre dans son élément.